Salut, c'est Manhattan sur mer sur Fez. Pourquoi on s'appelle comme ça? Moi, en tant que bon à vrai, j'avais fait la visite guidée de ma ville et notamment de l'appartement témoin. Et le guide à l'époque nous avait dit que cette ville avait été surnommée Manhattan sur mer ou Stalingrad sur mer d'ailleurs pendant la reconstruction. Et ça m'avait fait tilter un peu. Et quelques années plus tard, quand je suis parti à l'étranger et que j'ai lancé un titre, il m'a fallu trouver un nom. Et voilà, c'est ça qui est revenu, voilà, pour en clin d'œil et aussi à New York que j'apprécie particulièrement. Quelle étiquette on nous donne? Pour l'instant, aucune étiquette, je pense, parce qu'on est quand même assez discret. Après, ce qu'on est vraiment, c'est un mélange de pop, un peu de pop indé. On essaie de chanter le plus possible en français désormais. On l'a surnommé Indian Summer Pop, qui est... Plutôt la pop un peu mélancolique que t'écoutes en fin d'été, en fin de journée. Moi, quand j'ai commencé, j'écrivais beaucoup en anglais et le fait d'être revenu en France, je perds mon anglais. et en fait, je trouve ça assez intéressant de trouver des choses en français en mélangeant un peu les styles. C'est pas facile, mais on essaye. C'est une chanson qui s'appelle Jenny, qui est l'une des quatre chansons qui sortira sur l'EP à la rentrée. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme blanche aux États-Unis qui se fait enlever par des Indiens. Et finalement, en fin de compte, elle préfère rester avec les Indiens plutôt que de retourner à sa vie d'avant. Et voilà, c'est l'histoire justement de son amoureux d'avant qui part à sa recherche mais qui ne la retrouve pas. Tube péché mignon, j'en ai beaucoup, je pense. comme ça, débutant blanc, je dirais It Is Not Because You Are de Renaud, qui est une chanson en franglais que j'aime beaucoup, qui m'a bercé dans mon enfance et que j'écoute très souvent.
Alors, être un groupe en Normandie, c'est très bien. Moi, j'ai vécu à Paris pendant un certain temps avant et je suis très bien chez moi déjà pour la vie quotidienne. Ouais, on est pas mal soutenu localement. Voilà, là, on a été mis sur. Le titre, du coup, Sandy, a été mis sur une playlist, sur une compile, pardon, de Super Love qui est sortie en même temps pour soutenir le Secours Populaire. On a été pas mal engagé par la mairie cet été pour jouer un peu à la sauvage dans les rues, pour animer un peu les rues. Voilà, on a pas mal de soutien localement. Ouais.